Salut les monkeys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des conventions, surtout sur les départs. Alors, partir allongé sous le bloc. Alors, départ allongé. Voilà. C'est quoi David ? David, c'est le prénom de l'ouvreur, celui qui a découvert cette ligne et qui l'a donc ouverte en trouvant la première méthode. Comme à la salle d'escalade, vous avez des petites étiquettes pour indiquer les prises de départ. Et bien là, c'est pareil, sauf que ces infos, on peut les trouver sur Blanc Info. Me faire avoir. Je suis pas une super grande fan des conventions, mais en même temps, c'est ça qui donne de la difficulté dans les jeux. Et puis, sur ce type de bloc, comme celui-ci est un peu petit, c'est vrai que c'était un peu idiot de partir debout et de faire deux moves. Bien que la fin, c'était pas terminé parce que c'était quand même bien plat. J'ai pris mon temps pour trouver des petits pieds quand même et essayer de gratonner quelque chose pour pouvoir sortir. Parce que ça aussi, c'est notre particularité ici à Fontainebleau. C'est les rétas. Voilà, on sort dessus, en haut des blocs. On va pas juste stopper la prise de fin. Ah, je sais bien. Mais je vous ai déjà parlé de cette technique de crochet où vous restez bas sur vos appuis. J'espère que vous vous en souvenez d'ailleurs. Et si tu ne la connais pas, dis-le moi dans les commentaires. Je referai une vidéo. Allez, c'est le moment de sortir. Le moment le plus cool ou le plus dur parfois. Yes. Si tu as déjà fait un réta, dis-le moi dans les commentaires. À bientôt les monkeys. Bye bye.